Salut à tous, alors il est actuellement 10h32 et aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 décembre 2019. C'est donc la sortie de Star Wars 9 et je vais faire une critique à chaud. La séance est à 11h et ça sera en IMAX 3D. On se retrouve juste après, c'est parti. Sachez que dans cette vidéo, il n'y aura bien évidemment aucun spoil, puisque c'est une critique à chaud, no spoil. Logique. Sachez aussi que c'est ma première critique à chaud, donc soyez indulgents sur le contenu et la manière dont cela va être monté. Voilà. Bon alors, je viens tout juste de sortir de la séance. Et qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Bon alors bien évidemment, c'est une critique à chaud, donc je n'ai aucun recul sur le film. Le recul, je l'aurai bien évidemment plus tard, au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Premièrement, question simple et assez bête, est-ce que le film est bien ? Déjà, cette notion est subjective, mais de mon point de vue, le film est un bon film. Mais bien évidemment, c'est subjectif. Et en quelques mots, qu'est-ce qui se retrouve dans ce film ? Eh bien, premièrement, on y retrouve la patte artistique de J.J. Abrams, qui a souvent tendance à bourrer son film d'action. Le film est en quelques mots très bien rythmé, très bien monté et très bien filmé. La photographie du film est assez cool, je dois le reconnaître. Le film possède une très belle photographie, semblable à celle du 8. On y voit beaucoup de couleurs, beaucoup de paysages assez sympathiques, je ne vais pas spoiler. Bien évidemment, dans le film, il y a plusieurs révélations, certaines théories sont affirmées, d'autres, justement, se révèlent être fausses. Pour le côté mémorable du film, eh bien, le film sera bien évidemment assez mémorable, je pense, puisqu'il y a certaines scènes qui sont vraiment, mais vraiment incroyables. Si vous avez bien aimé la bataille finale d'Endgame, je pense que vous allez bien aimer la bataille finale de Star Wars 9, qui y ressemble. Bref, pour finir, je vous invite donc à aller voir ce film. Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, est en soi un bon film, et je pense que ce sera l'avis général. En tout cas, de mon point de vue, c'est un assez bon film dans la saga Star Wars. Si vous n'êtes pas fan, vous allez bien aimer le film. Si vous êtes fan, vous allez plutôt aimer le film. C'est en tout cas mon point de vue. Si vous êtes vraiment un fan hardcore, vous allez trouver certains défauts. J'en ai trouvé certains. Mais c'est un bon film en soi, et je pense que ça va être l'avis général. Bref, je vous laisse, et que la force soit avec vous.